touristes. Fabrication de la guerre civile, c'est un livre qui se déroule dans une cité fictive qui s'appelle la Cité des Pigeonniers. C'est une cité en banlieue parisienne qui compte à peu près 1200 habitants. Et la cité va être rasée dans le cadre de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler par la télévision, qui s'appelle la rénovation urbaine, où on réécrit des quartiers, donc on rase des bâtiments, on redessine un peu des villes. Et l'idée du livre, c'est de passer un an avec les habitants et de plonger le lecteur au milieu de cette cité pendant un an, au milieu des gens, au milieu des histoires d'amour, au milieu des histoires d'amitié, au milieu des aventures économiques, des business, légaux ou pas légaux, et d'essayer de comprendre, pour les gens qui sont là, pour les habitants dans cette cité, ce qui se passe. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui travaille insidieusement? Qu'est-ce qui travaille dans les esprits? Qu'est-ce qui travaille dans les corps? Qu'est-ce qui travaille dans la vie quotidienne? Voilà. Il est à peine midi, mais M est réveillé. Bon petit déjeuner, il embrasse sa sœur. Tu veux que je fasse quelque chose à la maison? M est déjà sortie bien avant qu'elle lui ait donné sa réponse. Thank you very much. Tout en retenue, Donald Trump quitte la scène sur une musique des Rolling Stones. Avant de s'offrir son premier bain de foule de président élu, le 45e de l'histoire des États-Unis.